Ça y est, c'est la fin de la semaine. Et puis nous, bah, on part en vacances et on se retrouve 2 semaines plus tard. Mais il y a plein de programmes à revoir. Et notamment, bah, l'émission de lundi, sport, les mérites sportifs régionaux. On revenait dessus, on recevait Aurélie Lemouzy, personnalité sportive de l'année et présidente de Swiss Rugby, qui revenait bah, sur cette consécration du rugby féminin, bien sûr. Ouais, le rugby qui a raflé tous les prix. Ça, c'est étonnant de voir finalement un sport qui est peut-être moins sexy, moins tendance, ouais. Et puis qui gagne plein de prix et surtout au féminin. Tu bah, sais qu'au rugby, il y a toujours une bonne ambiance. Ah, bah ça, c'est sûr, effectivement. Et il y avait une bonne ambiance au FELC aussi, puisqu'on a remis les prix à l'innovation, à 2 entreprises de notre région. On en a parlé dans une émission spéciale, Andrea. Ouais, des fers à chevaux et aussi des skis sur mesure, des entreprises innovantes de chez nous, avec des gens qui en ont un peu sous la pédale. Regardez l'émission notamment du mercredi hors cadre. Jeudi, c'était culture avec une exposition au Château Progin. Bah oui, effectivement, on est allé voir l'exposition consacrée à Anne Frank. L'émission du jeudi, c'est culture. Et puis, FC Politique de mardi était consacrée, eh bien, à la ville de Nyon, un bilan mi-législature avec le syndic Daniel Rossella. Bon, tu vas aller chercher tes œufs de Pâques, les lapins, tout ça. Bah, je sais pas, ils annoncent mauvais ce week-end, alors j'en sais rien, on verra quoi. T'as pas des bons plans à nous donner. Je les cacherai peut-être à l'intérieur, les œufs. Dans le chapeau. Bonne fête, tout le monde, bonne vacances, profitez bien, on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao.